Hello mes gourmets! Alors bienvenue dans cette seconde partie de notre visite chez Code Pizza, au cœur de Lausanne en Suisse. Ici, cuisine rime avec sélection d'ingrédients frais, soins de préparation et créativité pour des recettes toujours variées. Le plaisir du client est leur priorité, sans pour autant déconsidérer leurs valeurs, et cela s'en ressent. Amateurs de gourmandise saine, c'est pour vous! Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de lasagne végétarienne du chef, toujours avec plein de petites astuces au rendez-vous. Allez, c'est parti! Béchamel. Alors, la béchamel, tu la fais très liquide parce que la lasagne, c'est sèche. Donc, quand la lasagne, vous pouvez acheter de la lasagne, il y a très bonne. Quand elle sèche, il faut faire un béchamel très liquide. Comme ça, il aide à la cuisson de la lasagne. Okay. Si la pâte c'est fraîche, tu peux faire la béchamel un peu plus épaisse. Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, d'abord, je mets un peu de béchamel comme ça. Et je vois qu'il y a des rames à la béchamel. C'est la noix moscade. D'accord. Donc, d'abord, la béchamel, tu as mis le beurre, ça c'est la base. D'accord. Un cuillère de farine. La noix moscade, mm-hmm. un petit peu de poivre et de sel. Mm-hmm. Pas beaucoup de noix moscade parce qu'après ça devient trop lourde. Donc, alors ça c'est une lasagne blanche, sans sauce tomate. Ouais, j'ai pas que tu me faire ce plat tout d'un coup, quoi. C'est... Oui. C'est avec parcimonie. Oui. Et la béchamel, elle doit avoir cette consistance liquide? Oui, quand la pâte est sèche. D'accord. Parmesan. Alors, la vraie lasagne en Italie, il s'est fait sans mozzarella. Tiens, avec la mozzarella dedans. Ça fait un peu plus riche. Ouais. Après, champignons crus. D'accord. Comme ça, un petit peu de petit poivre. Et un peu de ricotta. Ouais. Il n'y a pas une règle de... Combien de personnes doivent être dans la lasagne? Et donc toi, tu préfères combien d'étages? Parce que là, il y a un étage. Je préfère 4 étages. Que ça compte ah, ça. Ah, donc tu vas faire ça 4 fois? Oui. Ok. Après, la lasagne, tu la peux faire comme tu veux. Avec la courge, avec le saumon, avec... Une fois que tu as tout, la béchamel, le parmesan, tout, tu peux mettre qu'est-ce que tu veux. Végétarien, la viande... J'ai fait par exemple ricotta et truffe. Mm-hmm. Il n'y a rien là. Il y a la ricotta et la truffe dedans. C'est très bon. Ça, c'est génial. Donc en fait, tu mets juste suffisamment de la béchamel oui. pour humidifier. Oui, pour humidifier la pâte, voilà. Donc la pâte va boire la béchamel avec oui, ça. Oui. Tu peux mettre aussi la crème, mm-hmm. la crème de cuisine, pas la crème entière pour les gâteaux. Ah. Mais c'est trop gras par rapport à la béchamel. Tu parles de la semi-épaisse? Oui. Ah, tu la peux mettre aussi, c'est pas... Oui, exact. Et du coup, je disais tout à l'heure, la béchamel, tu l'as fait liquide comme ça exprès, hein? Je l'ai fait exprès parce que la pâte est sèche. Si la pâte est si crue, voilà, peut-être qu'il faut faire un peu plus épaisse. Donc, pâte fraîche, béchamel un peu plus épaisse. Et oui. pâte sèche, pardon. Plus liquide. Béchamel liquide. Oui. La tête?
Parce que du coup, au niveau de la texture, ça sent bien parce que la plupart des lasagnes où on utilise la mozzarella, effectivement, il y a cet effet de mozzarella qui file, oui, comme oui, pour les pizzas. Oui. Alors que là, on n'aura pas ça. On aura bien le goût du fromage et du crémeux, oui, mais sans que ce soit sans, plus crémeux. Voilà. Parce que la lasagne, elle est née sans fromage, sans mozzarella. La mozzarella, il y a quelqu'un qui l'a ajouté après, mais la vraie recette, c'est comme ça sur internet, hein. Il n'y a pas de béchamel, il y a des légumes, voilà. Parmesan, oui, mais il n'y a pas de mozzarella. Par contre, la parmesan d'aubergine, il y a la mozzarella, non que ça. Ok. La prochaine fois, je te montre la parmesan d'aubergine. Ce sont des aubergines frites. Oui. Après, il y a des tâches avec... Ah, avec la parmigiana. Voilà. Ok. Mais la vraie parmigiana, c'est fait avec les aubergines frites. D'accord. Ça va être frit. Et là, là-bas, il y a la mozzarella, les fleurs de lait, les parmesan, les basilic, l'origan. Ah, donc faire la parmigiana au four, c'est pas bon, alors il faut que ce soit frit. Frit. La vraie, c'est frit. C'est un plat très lourd. Oui. Parce qu'ils sont tous frits. Ah, mais oui, le goût, c'est bon. Il y a un pays en Italie, là, une région d'Abruzzo, il fait tout frit. Il frit tout aussi. La friture, tu dis? Oui, il frit tout. Il frit la ricotta, il frit tout. Il frit la ricotta? Tout, oui, c'est très bon. Ah. C'est possible de frire la oui, ricotta? Tu prends la ricotta, tu mets dedans un œuf, c'est obligé de mettre un œuf parce qu'il sera prendre un peu. Après, tu la passes dedans la panure. Tu mets de la ricotta, un peu de pizza, oui, voilà, de dans la panure, tu la frites. C'est magnifique. Il y a quand même une panure. C'est très bon. Ricotta, épinards, tu fais des boulettes de ricotta, épinards, frites. C'est très bon. Je l'ai fait ici. Hé, hey, il n'arrête pas de vous donner des tips. Tout bien, Dieu merci. Et là, on est à la troisième. Hein. Troisième, les derniers étages, c'est sans rien. C'est seulement la pâte, la béchamel et le parmesan. Ça, c'est les derniers étages. Tu mets de la pâte. Tu connais Cimedera, che è la pianta dei broccoli, con le foglie d'accord, e le branche, avec du lardon arrotti avec le miel. Donc il y a la mer de la plante e le sucre de la tasse, c'est très bon. Tu ne manges pas de la. Non, je ne mange pas de la. Et je pense beaucoup de nos filles aussi, mais c'est pas grave, c'est pas idée. Oui, on oui, peut faire avec des légumes, avec le miel. Ouais. Un légume très amer, tu le peux arrotir avec le miel, c'est très bon. Très amer comme des endives. Oui, voilà. Ok. Ça, c'est une lasagne riche. Quand tu manges, tu as envie de manger. Parmesan. Le dernier étage. Les verres de l'air. Tu es généreux sur le parmesan. Oui, oui. On est à 170 pour 3 minutes. Voilà. Merci. Merci. Comme dit un croustillant, c'est bien. Prêt? Voilà. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Ah. Vieni, ma... Ah là là. Ah, c'est juteux comme pas possible. Voilà. Alors, regardez ça. Donc là, on a fait une belle lasagne. On vous a montré la recette. Donc avant que vous le fassiez chez vous, bah moi je vais déguster. Ah,
Alors la première chose que je note, c'est le parmesan. Donc il vient tout de suite parfumer. Après, il y a la tendresse de la pâte. Il y a cette onctuosité que la ricotta amène. Et on sent les champignons en toute fin. Donc du coup, c'est super tendre, fondant. Et non, les textures se marient parfaitement bien. Et le tout est juteux. La clé de cette onctuosité, c'est la béchamel. Non, c'est parfait. À la maison, entre amoureux ou entre amis, je vous conseille ça. Spécial végétarien, mais les gourmands peuvent aimer aussi. Il semblerait qu'il y ait un tiramisu fait sans œufs. Voilà. Donc du coup, il fallait que je goûte ça. Ça ressemble à ça. Et donc, c'est la portion pour ce prix-là. Alors, on va goûter. Déjà, vous voyez. C'est sublime. Alors, c'est super crémeux pour ceux qui aiment les tiramisu crémeux. On sent le café légèrement, ce n'est pas agressif du tout. C'est très harmonieux en fait. La crème n'est pas sucrée, ni du tout. Et c'est très nuageux, aéré. Donc ce n'est pas très gras en fait, c'est super bon. La génoise n'est pas trop sucrée non plus. Donc en fait, c'est parfait. Donc amis végétariens, vous savez où prendre une bonne tiramisu. Alors mes gourmets, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi en tout cas c'était super, j'ai appris plein de choses et je suis contente de pouvoir partager avec vous. Et donc ce sera avec plaisir de pouvoir vous montrer les prochaines vidéos. Donc notamment la semaine prochaine, il y aura encore une surprise. Soyez au rendez-vous et on se dit à bientôt. Ciao.